Salut les sportifs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans mes deux précédentes vidéos, j'ai fait une préparation un peu plus spécifique pour un événement, donc pour les championnats d'Europe indoor d'aviron. Et bien sûr, aujourd'hui, on est le jour J, on est le 28 janvier, et donc c'est aujourd'hui que se passe la compétition. On est le matin, je vais manger mon petit déjeuner, donc café, banane, flocons d'avoine, skyr et un petit peu de confiture. Et puis on se retrouve directement au stade de Pierre de Coubertin, là où va se passer la compétition. Allez, à tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il y a environ 90 rameurs qui sont installés dans la salle pour la compétition. Et maintenant, direction retrait du dossard. Dossard récupéré, on va aller à la pesée. Comme vous le savez, je fais partie de la catégorie poids léger, donc pour les championnats d'aviron indoor sur rameur, je dois faire au maximum 75 kg. Pour le coup, j'étais très très large, c'est-à-dire que je faisais 71,2 kg sans être passé aux toilettes. Donc je suis assez large. C'est bon, échauffé. Direction la course. Nous passons maintenant voilà, à la course. Départ dans 2 minutes pour les seniors. Au départ, dossard 11 et 53. Donc lui, on tient à lui dire faux départ. Attention.
Go. Chez les poids légers, Yvan Beauvais en tête. Ça bouge entre l'Espagnol et Jérémy Aliger en deuxième position. Du côté des poids légers, Yvan Beauvais en tête. Jérémy Aliger en deuxième place. Troisième, Antonin Play. Pour l'Espagne, c'est la quatrième place, mais rien n'est fait. Chez les poids légers, c'est Yvan Beauvais qui s'impose, suivi par Jérémy Aliger et Antonin Play. Podium 100% français. Deuxième, 6:30. On a fait ce qu'on a pu. We're gonna ask the lightweight men's medalists to come to the back of the room towards the big screen. For the victory ceremony, heavyweight men, please come as well. We're starting with the victory ceremony for the senior lightweight men. In second place, from France, Jérémy Aliger. And in first place, also from France, and your European rowing indoor champion, Yvan Beauvais. A big congratulations to all of our medalists. Place au podium français, s'il vous plaît, maintenant. Deuxième et dernière chance pour le 7 de Versailles, Jérémy Aliger. Premier gagnant 100% en représentant l'association. Et voilà, ces championnats d'Europe indoor d'aviron se finissent donc sur une seconde place. Donc très très heureux. Je améliore mon temps de 2 secondes par rapport à décembre, donc c'est bien, mais c'est pas énorme. Après, au vu des conditions, je suis plutôt satisfait. Comme vous avez pu le voir, il y a eu 2 faux départs. On s'échauffe bien avant, on a le temps de se refroidir, on commence pas comme on veut. Enfin, c'est pas les mêmes conditions qu'en club ou quand vous faites un test ergo, vous pouvez être vraiment dans votre bulle, etc. Après, la seconde place, je suis vraiment heureux, mais il faut quand même remettre dans son contexte. Il y a quand même des gens très forts en France qui sont pas venus. Pour les mêmes raisons que je vous ai dit, s'ils voulaient battre leur corps, c'est toujours mieux chez soi, etc. Et c'est peut-être pas un objectif pour eux, donc ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et c'est pareil pour les meilleurs Européens, je pense qu'il y en a plein qui sont pas venus pour la même raison. Après, comme m'a dit un de mes amis, les absents ont toujours tort, donc moi j'étais là, j'ai fait ma performance, enfin celle que j'ai pu faire, et puis voilà, je suis arrivé deuxième, donc très heureux, très 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 heureux. J'espère donc que ces 3 vidéos sur le thème des championnats d'Europe indoor vous a plu. Moi en tout cas, j'ai vraiment aimé les réaliser, c'était plutôt fun. Et les prochaines vidéos seront sur le vélo parce que ça me manque énormément, faire des aventures, des longues distances, partager mes péripéties. Franchement, je trouve ça vraiment fun et c'est sûr que je vais y revenir. D'ailleurs, peut-être que je vais m'inscrire à une compétition d'ultra cyclisme en fin d'année. Je me tâte vraiment, en tout cas l'année prochaine c'est quasi sûr, et vous partagez ça par vidéo, ça serait vraiment énorme. Donc on se retrouve très prochainement sur le vélo. Et en attendant, entraînez-vous.